Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Au programme de ce numéro, la réhabilitation des murs à pêche de Montreuil en Seine-Saint-Denis, un site historique et atypique qui bénéficie des fonds européens pour retrouver un avenir et permettre à l'agriculture de se réinstaller en plein cœur d'une zone urbaine. Un projet ambitieux, tout comme celui d'une start-up francilienne qui développe des radiateurs ultra modernes. Ils produisent de la chaleur grâce aux calculs informatiques. C'est à découvrir dans quelques instants. L'invité politique de cette émission est Patrick Le Yarrick, député européen depuis 2009. Il est troisième sur la liste du Parti communiste français pour les prochaines élections européennes. Nous évoquerons avec lui l'ambition de son parti, placé très bas pour le moment dans les sondages, et du programme qu'il souhaite défendre pour cette campagne et donc tenter de convaincre les électeurs. Enfermés et bordés par la route, ils sont presque invisibles aujourd'hui. Pourtant, ils représentent une partie du patrimoine historique de la ville de Montreuil. Les murs à pêche retrouvent peu à peu une vie normale après avoir été oubliés pendant 50 ans des pouvoirs publics et des habitants. Divers projets sont actuellement financés pour réinvestir les lieux et protéger la biodiversité locale. L'Union européenne fait partie des financeurs de ce vaste programme. Reportage sur ce site original, mémoire de l'industrie horticole francilienne. Des murs blancs, plus ou moins défraîchis et de la verdure un peu partout. Qui pourrait croire qu'ici à Montreuil, en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle, se trouvaient des arbres fruitiers sur des kilomètres. Pourtant, jusque dans les années 70-80, pêche, pommes et poires étaient encore présents sur ce site de 34 hectares. Ces murs servaient effectivement à couper le vent sur le plateau, à créer un microclimat propice à la culture des fruits. Et donc on avait des arbres plantés au pied et qui n'étaient pas lissés du coup sur le mur. La croissance du rail et la pression foncière pousseront les derniers producteurs à quitter les lieux. Presque abandonnés depuis, les murs à pêche sont redevenus récemment un enjeu patrimonial et environnemental pour les politiques publiques, pour l'Europe aussi, qui soutient financièrement un projet de sentier des biodiversités. Le cheminement en fait, public qui s'intègre dans tout le réseau de sentiers de la biodiversité passera ici et se prolongera au fond de la parcelle. Et l'idée est de retravailler l'introduction de végétaux, de favoriser les passages de faune, de travailler sur la flore francilienne et de reconquérir le site. Renaturation d'un cours d'eau, dépollution ou encore activités agricoles, associations et municipalités tentent aujourd'hui de travailler ensemble pour redonner vie à ce lieu historique. Aujourd'hui, les trois quarts de cet espace se trouvent en friche, abandonnés, et même, je dois le dire avec un peu de peine, a servi de dépotoir, parce que nous parlerons de la pollution de ce lieu, a servi de dépotoir pendant de très longues années. Le sens profond de ce projet est de restituer ce lieu aux Montreuillois. Emblème de Montreuil, les murs à pêche essaient doucement de retrouver leur place au milieu d'un cœur urbain encore égoïste. Et on va poursuivre cette émission avec un autre projet qui profite des fonds européens et qui s'inscrit dans cette ambition environnementale. Quentin Lorenz, bonsoir. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable des relations publiques pour la société Carnot Computing, une société basée à Montrouge dans les Hauts-de-Seine et qui développe depuis des années désormais un projet assez ambitieux, presque révolutionnaire, puisque vous produisez un radiateur écologique et pour le moins original, puisqu'on peut le nommer ainsi un radiateur calculateur ordinateur. Vous allez nous préciser ça. En résumé, c'est un outil qui exploite la chaleur émise par le calcul informatique pour chauffer les habitats. C'est ça ? C'est bien résumé. Il faut d'abord comprendre que les data centers, qui sont des espèces de grandes usines du numérique, consomment énormément d'énergie, d'électricité pour alimenter les serveurs informatiques, mais aussi les refroidir, puisqu'on en a tous fait l'expérience. Quand on utilise son ordinateur, de la chaleur est dégagée
Et quand on parle de calcul à haute performance, la chaleur dégagée représente de la chaleur incroyablement élevée. Donc Carnot a été créé en 2010, justement avec comme idée de base de valoriser la chaleur perdue des serveurs informatiques. Au lieu de tout concentrer, de concentrer tous les microprocesseurs, les serveurs informatiques dans un seul lieu, on a décidé d'apporter la capacité de calcul directement là où on a un besoin de chaleur. Alors visuellement, ça se passe comment? C'est inséré dans le radiateur, c'est ça, les microprocesseurs, et la chaleur permet de chauffer l'habitat? Alors, le projet est très très simple. Hein. Vous avez un radiateur qui ressemble presque à un radiateur normal, dans lequel, au lieu d'avoir des résistances électriques qui chauffent, vous avez des microprocesseurs informatiques. Le radiateur est relié à la fibre. Plus l'usager a besoin de chaleur, et plus nous lui envoyons de calcul par la fibre, et donc plus les microprocesseurs montent en fréquence et dégagent de la chaleur. J'allais vous demander justement comment ça marche concrètement. C'est vous qui faites l'intermédiaire entre les entreprises et, on va dire, le particulier et son chauffage? Exactement, Nicolas. On a deux types de clients chez Carnot. D'un côté, des clients de calcul, qui sont des grandes banques, des laboratoires de recherche, des studios d'animation 3D, et de l'autre côté, des clients de chauffage. Il faut faire l'interface, comme vous le dites, entre les deux. Et donc, nous, on a créé notamment une plateforme logicielle qui permet d'un côté de recevoir des calculs et de l'autre de les distribuer là où existent des besoins de chaleur. J'évoquais le volet environnemental en introduction, mais c'est vrai qu'il y a ce volet écologique très important, puisque au lieu de perdre cette chaleur dans les data centers, vous l'exploitez, donc c'est aussi bon pour la planète. J'irai même un petit peu plus loin. Jusqu'ici, on avait trois sources d'énergie, une qui alimentait le data center, une qui le refroidissait et une dernière qui chauffe les bâtiments. Aujourd'hui, grâce à la technologie Carnot, vous n'avez plus qu'une source d'énergie qui chauffe les bâtiments, qui produit des calculs, et on a supprimé la fonction de refroidissement. Et donc, on a une vertu environnementale qui est évidente. Et formule magique, ça n'a pas de coût pour le particulier qui en profite. Expliquez-nous comment c'est rentable pour vous l'affaire, puisque le particulier ne paie pas ou se voit rembourser ses frais, on va dire, de chauffage. Alors, on ne travaille pas directement avec les particuliers, je préfère le dire pour ceux qui nous regardent. On travaille par l'intermédiaire de bailleurs sociaux, par l'intermédiaire d'entreprises pour des bureaux. Le client consent à un investissement au départ, qui est certes un petit peu plus élevé qu'une solution de chauffage classique, mais par la suite, plus aucun frais ne lui est imputé. On rembourse les factures d'électricité, on assure la maintenance gratuitement pendant toute la durée du contrat, et on remplace les machines à échéance régulière pour que nous gardions une capacité de calcul efficiente, puisqu'il ne faut pas oublier que Carnot ne se rémunère pas sur le chauffage, mais se rémunère sur le calcul informatique. Donc en vendant du calcul informatique, par exemple pour des grandes banques qui ont besoin de faire des simulations, des analyses de risques, c'est de cette manière-là qu'on se rémunère. Aujourd'hui, combien d'appartements, de maisons sont équipés de ce chauffage? Alors aujourd'hui, on a 1000 unités de déployées en France. On commence à vraiment sentir que les choses accélèrent. On a mis du temps avant de faire reconnaître cette technologie comme une technologie écologique. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on a aussi quelques lourdeurs administratives parfois au-delà desquelles il faut aller. On a 1000 unités et les prévisions pour 2019-2020 sont assez encourageantes. Alors vous bénéficiez, on le disait, des fonds européens, près de 500 000 euros, 480 000 euros pour vous aider, je suppose, dans la recherche et le développement. Quel est l'objectif quand on profite des fonds européens? Est-ce que aussi peut-être c'est de bénéficier des marchés du vieux continent, des autres pays? Alors, je dirais qu'il y a deux volets principaux. Hein. Il y a l'aspect d'abord recherche et développement, qui est le plus important pour nous. Donc ça, pour nous, à l'approche des élections européennes, l'Europe, c'est aussi ça. C'est du très concret. C'est un soutien économique à une entreprise innovante. Il faut dire que Carnot est le premier dans le monde à faire ce chauffage un peu innovant. Donc l'Europe a cru en ce projet-là, nous a soutenus, la région Île-de-France aussi. Donc nous, on arrive avec un beau projet qui est soutenu. On a un appui qui nous permet, nous, de vraiment faire avancer nos technologies, qui sont des technologies de pointe, des technologies de rupture. On entend parfois parler de disruption. On est exactement là-dedans. Donc l'Europe nous aide d'abord sur la partie recherche et développement, et puis elle nous aide aussi sur la partie marché. On est allé récemment au Japon découvrir un nouveau marché dans le cadre d'un partenariat. Ça, c'est encore l'Union européenne qui nous le permet. Donc on a vraiment une confiance de la part de l'Europe qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites. Tout simplement, par exemple, fiabiliser nos radiateurs sur la fabrication, le marquage CE, etc. La plateforme de distribution des calculs dont je parlais, et puis on a mis un pied aussi, c'était le
cadre justement du FEDER, le fonds dont vous parliez tout à l'heure, justement pour le bâtiment intelligent. Et Carnot, vous avez compris, une fois qu'on a mis de l'informatique dans le bâtiment, on a un nouveau métier qui se crée et donc on a des pistes potentielles très très riches. Merci Quentin. Merci Lorenz d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques pour Carnot Computing. On poursuit cette émission au Parlement européen à présent de Strasbourg pour l'interview politique du mois. Notre invité est Patrick Le Yarrick, eurodéputé communiste, élu au Parlement depuis 2009 et candidat sur la liste du PCF pour les élections du mois de mai prochain. Et nous sommes donc avec Patrick Le Yarrick. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen depuis 2009, vice-président au Parlement européen du groupe européen de la gauche unitaire européenne et gauche verte nordique, directeur aussi du journal L'Humanité et donc candidat pour votre réélection ici au Parlement européen. Vous êtes en troisième position sur la liste du Parti communiste français. Précision pour ces élections, contrairement à il y a 5 ans, votre parti part seul. Pari risqué, puisqu'aujourd'hui les sondages vous placent en dessous de la barre des 5%, donc dans la possibilité d'avoir des parlementaires européens. Est-ce qu'on peut imaginer le 26 mai prochain un parlement sans élus communistes français ? Ben non, on ne peut pas imaginer. Les parlementaires communistes ont toujours été présents au Parlement européen. Ils ont toujours joué un rôle extrêmement utile au service des populations, des élus et des salariés en général. Par conséquent, rien n'est joué. Il reste plusieurs semaines aujourd'hui avant que les électrices et les électeurs ne se prononcent. Pour rappel, en 2014, vous faisiez partie de ce qu'on appelait alors le Front de gauche. Vous aviez rassemblé un peu plus de 6% des voix en France. Aujourd'hui, la gauche paraît presque pouvoir disparaître du paysage politique européen et puis français. Et pourtant, tant de divisions, tant de partis qui prennent leur liste. Pourquoi ? C'est paradoxal. C'est aujourd'hui qu'il faudrait se rassembler pour pouvoir continuer à exister politiquement. Bien sûr, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Beaucoup d'efforts ont été faits de la part de notre liste, de la part de Yann Brossa, de la part du Parti communiste, pour qu'on aboutisse à une liste unitaire de la gauche de transformation sociale et écologiste. Que ça ne se fasse pas, c'est effectivement bien dommage. Qu'est-ce qui bloque concrètement, selon vous, puisque vous êtes un habitué des lieux, vos collègues. Je ne sais pas, puis je ne veux pas très rentrer dans cette... Je ne fais pas une émission avec vous pour faire de la politique politicienne. Non, mais justement, comme on peut parler sur du... comme on l'a fait à BFM. Donc, si vous voulez, on va passer... Justement, on peut parler du fond. À ce qui préoccupe les gens. Qu'est-ce que dans le projet du Parti communiste pour l'Europe ne correspond pas, par exemple, au projet de la France insoumise. Mais je ne sais pas, il faut leur demander. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est aujourd'hui, de votre responsabilité, aujourd'hui, c'est vous qui êtes élu. Aujourd'hui, la situation, elle est ainsi. Il est bien malheureux qu'elle soit ainsi au moment où des forces d'extrême droite sont en train d'envahir l'ensemble de l'Union européenne, voire le monde. Je le déplore et je le regrette. Mettre un bulletin de vote pour peser en faveur de l'unité, ce sera voté aussi pour la liste de Yann Brossa. Est-ce que l'urgence climatique, c'est un sujet qui intéresse votre liste pour les élections à venir ? Mais ce n'est pas que ça nous intéresse, c'est que nous sommes des combattants de la lutte contre le réchauffement climatique, des combattants du respect de la biodiversité, de l'amélioration de la biodiversité. C'est une question désormais de premier plan avec un certain nombre d'autres enjeux. Mais celle-ci est une question de vie et de mort à terme. Et il n'y avait pas moyen là-dessus, par exemple, de trouver un terrain d'entente avec Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas. Il a été proposé à chacune et chacun. Les gens, ils ont refusé. Ce n'est pas de ma faute. Vous leur demanderez. Comment vous allez convaincre les électeurs qui, pour l'instant, semblent pas favorables à voter pour vous, puisque je le disais, les sondages sont pas très bons. Vous me direz, c'est que des sondages. Mais comment vous allez convaincre les électeurs? Il y a beaucoup d'électrices et d'électeurs qui ne se sont pas décidés, qui ne savent même pas encore qu'il y a des élections. Vous allez leur dire quoi alors? Qui ne savent même pas encore qu'il y a des élections européennes, qui ne savent pas que chaque voix va compter pour élire un parlementaire européen, puisque nous allons voter sur des listes nationales à la proportionnelle, et qui ne savent pas, beaucoup d'entre eux, qu'avoir des députés ici au Parlement européen, c'est utile pour eux. Parce que, par exemple, je prends un cas, une question que j'ai soulevée il y a maintenant plusieurs mois, on est en train d'appliquer dans notre pays un budget national qui dépend d'un pacte budgétaire européen
qui n'est même plus juridiquement valide aujourd'hui, puisqu'il aurait fallu que, dans le courant du mois de décembre, le Parlement européen valide ce pacte budgétaire, puisqu'il arrive au terme. Aujourd'hui, il y a le Conseil et la Commission, mais le Parlement ne s'est pas prononcé. C'est le budget de l'Union européenne 2021-2027. Ce n'est pas le budget de l'Union européenne. Non, c'est pas ça. C'est un pacte budgétaire européen qui vise à contrôler chacun des budgets national, et c'est au nom de ce pacte budgétaire qu'on réduit les services publics, qu'on est en train de privatiser Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux, prétendument pour réduire la dette. Quels seront les autres axes de campagne, justement, puisque vous parliez du, vous ben, vouliez parler du fonds pour le Parti communiste ? Les enjeux que posent les gens, par exemple, le pouvoir d'achat. La question des salaires aujourd'hui est une question qui est posée dans l'ensemble de l'Union européenne. On pressure les salaires, même dans des pays comme le nôtre, comme au Luxembourg, qui avons des meilleurs salaires minima que les Portugais, que les Espagnols, et encore meilleurs, et bien évidemment, malheureusement, que la Pologne ou la Roumanie ou la Bulgarie. La question de la rémunération du travail pour tous les salariés de l'Union européenne, elle est posée. Et donc, ça pose la question de la répartition des richesses. Et pourtant, ça pose la question de créer des mécanismes aujourd'hui où on augmente partout les rémunérations du travail. Et pourtant, dans beaucoup de ces pays, c'est la droite, voire l'extrême droite, qui est en tête. Comment vous l'expliquez, même en France, que ce soit le Rassemblement national ? Mais c'est un mouvement... Pourquoi ce n'est pas vos idées à vous qui s'imposent aujourd'hui ? C'est un mouvement mondial qui est à l'œuvre aujourd'hui, une contre-révolution conservatrice qui va jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. On est au-delà de Reagan aujourd'hui, puisque c'est M. Trump, c'est M. Erdogan, c'est des forces d'extrême droite en Hongrie, ou de droite extrême en Hongrie, d'extrême droite en alliance en Italie, et la montée partout, parce que les gens, ils se considèrent comme dos au mur, ils se considèrent comme non défendus aujourd'hui, et ils veulent donner un coup de pied et dans la fourmilière. Peut-être qu'ils constatent aussi les divisions à gauche. Peut-être aussi. Vraisemblablement que les divisions à gauche n'aident pas à la mobilisation. L'actualité, c'est aussi évidemment le Brexit qui n'en finit pas. Les Européens ont accepté récemment de repousser la date effective pour le moment jusqu'au 12 avril. S'il y a accord au Parlement britannique, ce sera jusqu'au 22 mai sur l'accord conclu en novembre dernier. C'est très compliqué, très confus ce sujet. Quels commentaires vous en tirez, vous, de ce Brexit, de ce qui se passe depuis 2-3 ans maintenant ? D'abord, ceux qui vont souffrir, ce sont ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont des salaires extrêmement bas, ceux qui sont les salariés. Les seuls qui vont en profiter, dans le cadre d'une concurrence et d'une Europe de l'argent aujourd'hui, ce seront les grandes multinationales et la City de Londres. Et c'est ça tout le débat. Même le débat à l'intérieur du parti conservateur au Royaume-Uni, il est celui-là. Qui servira le mieux la City ? C'est-à-dire, on utilise les forces vives du pays, les travailleurs et les travailleuses les plus en difficulté, comme une opération dans le cadre d'une opération qui servira les plus puissants. Et c'est dans ce contexte du Brexit que Emmanuel Macron s'est adressé aux Européens début mars dans une lettre. Il a notamment esquissé plusieurs idées et celle d'un bouclier social européen. Est-ce que ça va dans le sens dont vous parliez sur le fond pour ces élections, un bouclier social européen qui viserait un peu plus protéger justement les Européens de l'Est. S'il voulait faire un bouclier social européen, j'imagine qu'il augmenterait le SMIC en France et qu'il n'emmènerait pas le mouvement social aujourd'hui dans les cordes comme il le fait. J'imagine qu'il lutterait contre la précarité du travail et qu'il créerait les conditions pour que chaque travailleur précaire ait un contrat à durée déterminée. J'imagine qu'il améliorerait le système de protection sociale. J'imagine qu'il ne voudrait pas reculer l'âge de la retraite à 67 ans. Vous ne croyez pas en sa bonne foi là-dessus, mais il n'y a pas de croire ou pas croire et de bonne foi ou pas de bonne foi. Ce sont des petits politiciens de bas étage qui écrivent des lettres parce qu'ils n'ont sans doute que ça à faire, mais nous et les gens doivent juger uniquement sur les actes. Et les actes ne plaident pas en leur faveur. Le président de la République a également évoqué dans cette lettre une remise à plat de l'espace Schengen. C'est justement le sujet de notre pastille consacrée à l'histoire de l'Europe. On se plonge ce mois-ci, il y a 24 ans, le 26 mars 1995, pour l'entrée en vigueur de l'espace Schengen, justement, avec Philippe Le Guen, coordinateur pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, située dans les Yvelines. On s'est inspiré du Benelux. Vous savez que
en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, depuis très longtemps, ils avaient supprimé les contrôles aux frontières à l'intérieur de leur espace du Benelux. Et donc, tout en ayant des monnaies différentes, en ayant des gouvernements différents, mais il n'y avait plus de contrôle aux frontières. Et donc, on s'est inspiré de cela pour l'étendre aux pays de l'époque membres. Donc, les premiers accords ont été signés par les premiers pays. Et puis, on avait convenu, en effet, qu'il faudrait une période de 10 ans pour que ça s'adapte, notamment qu'on supprime effectivement tout le système des douanes et aussi des taxes aux frontières, hein, puisque la douane, c'est une police financière qui est là pour vérifier que les taxes sont bien payées par les importateurs, les exportateurs. Bon. Donc il y avait tout un tas de choses à mettre en œuvre. En parallèle, notamment une harmonisation un petit peu des systèmes de TVA, des accords aussi sur le... Mais ça s'est fait en parallèle. Et puis, dans les accords de Schengen, dans la politique de Schengen, on s'est mis aussi à ébaucher la première coopération policière entre les pays, puisque si on laissait les frontières ouvertes, ben, il fallait aussi que des malfaiteurs puissent être poursuivis par-delà la frontière, ou bien que la poursuite puisse être confiée à la police du pays suivant. Donc ça a été le début de la coopération policière, de la lutte contre le trafic évidemment de drogue et toutes sortes d'autres trafics qui pouvaient avoir lieu aux frontières, donc une meilleure coopération entre les services. Alors on voit qu'encore aujourd'hui que ces sujets ne sont pas entièrement aboutis, hein, mais aujourd'hui on est ce principe de Schengen est un acquis communautaire, c'est-à-dire que il est maintenant dans les traités et que tout pays qui rentre dans l'Union européenne à terme doit mettre en œuvre cette politique et pouvoir satisfaire à ces critères, sauf deux pays qui ont toujours dit qu'ils ne le feraient pas, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Bon, ils ont un statut de deal. Bon, on sait que la Grande-Bretagne, évidemment, avec le Brexit, va nous quitter, mais l'Irlande, du fait de son statut insulaire, il lui est plus facile aussi de vérifier les entrées et les sorties aux frontières. Patrick Le Yarrick, vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru récemment dont le titre est le suivant, et nos frères pourtant pour une Europe solidaire avec les réfugiés. Ça rejoint forcément cette problématique de l'espace Schengen. On va aujourd'hui vers un renforcement des frontières. Ce sont les partisans de la ligne dure, ceux dont on parlait déjà au début de cet entretien, Matteo Salvini, Viktor Orban, qui gagnent la bataille idéologique sur ce sujet-là encore. Comment vous rassurez-vous ces populations aussi qui parfois soutiennent ces hommes politiques et qui montrent leur inquiétude face à une disparition de leurs valeurs, des économies qui pourraient être bousculées avec l'arrivée de populations venues d'ailleurs ou d'autres continents? Comment vous rassurez-vous les gens pour leur dire « tout ça c'est faux, on vous ment » Mais d'abord il y a un devoir de solidarité. Si on dit d'un côté que les valeurs de l'Union européenne, c'est l'humanisme et la solidarité, on ne peut pas continuer à laisser des gens mourir dans la mer comme on le fait. Deuxièmement, il y a une question fondamentale qui est posée. Quand est-ce que l'Union européenne va s'engager dans un plan de long terme de coopération avec le continent africain, avec le Maghreb et le Maghreb, de telle sorte que ces populations vivent dans la paix, vivent dans la sécurité et puissent accéder à l'autosuffisance alimentaire? Il faudrait que l'Europe investisse, par exemple, ou facilite, par exemple... Bien sûr, il y a un devoir. D'abord, il y a un devoir de réparation vis-à-vis de ces populations. Historique. Et d'autre part, il faut créer les conditions pour leur permettre de trouver du développement par eux-mêmes. Et en même temps, il va falloir se battre plus qu'on ne le fait contre le réchauffement climatique, parce que ce qui va se passer avec le réchauffement climatique poussera des migrations sud-sud vraisemblablement, mais une accélération du sud vers le nord. On va conclure cette émission sur notre comparaison européenne mensuelle. Elle est en lien avec une actualité très française en ce moment, puisqu'on se penche sur les systèmes de retraite en Europe. Quel est l'âge légal chez nos voisins? Comment s'articule leur système? Les précisions d'Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye.
On considère qu'il existe principalement deux systèmes majoritaires. Il y a un premier système qu'on dit bismarckien, parce qu'il a été créé par le chancelier Bismarck. Et ce système, il est davantage basé sur la capitalisation auprès d'une caisse de retraite spécifique à la branche d'entreprise dans laquelle on travaille. Le deuxième système est le système qu'on dit beveridgien, qui est davantage basé sur un système de répartition par l'État, où en fait, c'est que les citoyens cotisent pour une caisse de retraite unique, généralement à l'État, et l'État après s'occupe de répartir la somme entre les différentes personnes retraitées du pays. L'âge de la retraite est fixé par chaque État. Alors, généralement, on peut constater plusieurs différences. Certains États ont choisi de mettre en place un âge de départ qui est fixe, donc peu importe que vous êtes un homme ou une femme, l'âge est exactement le même. Généralement, quand c'est comme ça, on est sur un âge de départ qui est aux alentours entre 63 et 65 ans. Certains États ont décidé, comme la France, d'avoir un âge de départ différé en fonction du sexe. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en règle générale, les femmes partent à la retraite en moyenne à l'âge de 60 ans et les hommes partent à la retraite en moyenne à l'âge de 65 ans. Alors après, il peut y avoir des différences entre les différents pays. Par exemple, si on prend le cas de l'Autriche, les hommes partent à la retraite à 65 ans tandis que les femmes partent à la retraite à 60 ans, tandis que si on prend le cas de la Bulgarie, les hommes partent à la retraite à 64 ans tandis que les femmes partent à la retraite à 61 ans. On constate que la plupart des pays de l'Union européenne sont en train de retarder l'âge d'entrée effective à la retraite. Alors, sachant que ce sont des réformes qui ne s'appliquent pas immédiatement, donc c'est progressif dans le temps, ce qu'on constate, c'est que en moyenne, l'âge de la retraite va varier entre 65 et 67 ans. Ça, c'est pour la majorité des pays. Et enfin, on constate qu'il y a une grande exception qui est l'Irlande, qui, elle, a déplacé l'âge de la retraite à 68 ans. Merci Patrick Lejarric d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, candidat aux élections européennes du 26 mai prochain sur la liste du Parti communiste français, député européen depuis 2009 et directeur du journal L'Humanité. Merci aussi aux équipes techniques du Parlement européen pour la réalisation. Prochain numéro du 7-8 Europe fin avril pour une émission consacrée aux élections. Plusieurs intervenants et spécialistes seront en plateau pour nous expliquer l'importance de ce scrutin, le rôle des parlementaires par exemple. Merci à tous et à très vite.